Ici, c'est chez moi, ici. Ils sont là, ils sont chauds. Non, ils mangent le ballon. Ah, ils veulent rien savoir, ils veulent... Salut YouTube, on s'est coach, tiens, ça va ou quoi? Et aujourd'hui, on se retrouve dans Paris pour découvrir où habite le gardien le plus technique du monde. C'est parti. Hey, JMK! Yo, c'est JMK, le gardien le plus technique. La YouTube, aujourd'hui, on débarque chez JMK que vous avez découvert lors du tournoi Red Bull Neymar Juniors 5 en tant que joueur de la team Urban Ball. Il avait surpris tout le monde car on avait vu qu'il était à l'aise avec ses pieds, mais en réalité, qu'il était gardien de but. Alors oui, vous avez vu plusieurs de ses apparitions ensuite en tant que gardien de but, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne S3. Il est temps aujourd'hui de découvrir son secret, pourquoi un gardien de but est-il aussi technique. Je décide de débarquer sur son terrain. On va rencontrer ses amis, on va voir de quelle façon il s'entraîne et vous allez vous rendre compte qu'à la fin, Toto Céan n'est pas étranger au fait qu'il soit si technique. Let's go. Bon voilà, YouTubeurs, aujourd'hui on se retrouve avec JMK. JMK, ça va ou quoi? Toujours, hein, toujours là. Hein. Bon, JMK, on est où ici là? Donc là, on est dans mon domaine, dans mon arène, dans mon quartier. Depuis 18 ans, je suis ici. Nous sommes dans le 6e arrondissement au Parc Luxembourg et c'est la maison. C'est ma c'est maison. C'est toi, c'est toi. C'est ma maison ici. Donc en gros, on est vers Montparnasse là. Ouais, vers Montparnasse là. Ouais, la grande tour là. Voilà, c'est moi qui l'ai construite. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que là, oui. En fait, tu t'entraînes ici dans ce parc. Bon, ça, c'était quand j'étais petit. Mais je peux te montrer où je joue avec tous mes potes. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse en fait dans cette série de vidéos. Quand je rencontre tous les mecs qui ont été à la détection, ouais. J'ai envie de voir comment ils jouent au football. Donc, on a été à Aulnay, on a vu qu'ils aimaient bien faire le 1, 2, 3. Tu l'as vu la vidéo? Oui, bien sûr. Est-ce que t'as liké? Liké, commenté, partagé. Et je me suis même abonné. Même oh si là je là. Suis désabonné pour me rabonner carrément. Ah là là, c'est un vrai. Mais t'as pas activé la cloche de notification. Ah, 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 toujours, toujours un petit détail. Mais bon, bref, toi tu joues comment en foot? J'ai envie de voir. C'est la street. Hein. Tu veux vraiment voir. Ouais. Mais tu peux être choqué. Hein. Ouais. Tu peux vraiment être choqué. YouTube peut bloquer la vidéo là. Carrément. Carrément. Genre tendance, tout ça. Cool. Ok, vas-y. Allons, c'est où? Bon, c'est là-bas. C'est là-bas là. Là-bas, là-bas. Ok, vas-y, c'est parti. Vas-y, on y va. Comme tu as vu, JMK, le gardien le plus technique du monde, on est chez lui aujourd'hui, on va découvrir où il joue et comment il joue, mais là on va aller rejoindre ses potes pour voir si aussi autour de chez lui il y a de la technique, let's go. Carrément, ça joue avec les poteaux. Comment ici, comment ça joue? Là, il y a un poteau. Ouais. On l'a installé. Et on joue avec un gilet à côté pour faire deux poteaux. J'ai vu lui, il a mis son manteau direct. Voilà, c'est ça. En fait, t'arrives, tu poses ton manteau. Voilà. Tu poses ta casquette et ça joue. C'est ça. Ici, ça se voit que c'est des bords de phare, regarde. Il mange les ballons. Allez, c'est ça, c'est ma patte. Il mange les ballons. Ici. Vous avez trop faim ici. On a la dalle. On a la dalle. Et comment ça se passe? On fait souvent le tournoi, c'est 2 buts ou 10 minutes. Vas-y, ok. Mais bon, mon équipe, on reste tout le temps sur le terrain. Donc en vrai, tu vois. C'est 2 buts et voilà, ça va vite. Et toi, tu fais quoi? Tu gardes, t'es au but ou ça se passe comment? Non. T'as dit, gardien le plus technique, là, je suis sur le terrain. Ah là, c'est là que tu t'entraînes. Là, oui, là, c'est là que je m'entraîne. Tu vois, là, normalement, quand j'arrive comme ça, toi, là, je fais ça. Ok. Je fais ça. Toi, ça, si ça, c'est fini. Et là, tu vois, en face, ça commence à trembler un peu. Hein. Pointe à droite, crochet à gauche, celle-là je l'ai fait depuis, j'ai l'âge de... Allez, 9 ans, ici. Right now, got
Mon tonton Céan, il s'est mis un peu au but, j'ai trop mal à la cheville. Hein. Donc aujourd'hui, c'est tout sur JMK. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Hey yeah, c'est un ouf. Ça va ou quoi? Eh hey, mais toi je t'ai déjà vu, t'étais avec Kesh la dernière fois. Ouais bien sûr. Vas-y présente-toi, c'est quoi ton truc? Fifouz. Fifouz sur quoi? C'est Fifouz Axe. Ah, allez voir. Ce qui paraît tu fais des conneries, c'est ça? Des conneries que des trucs drôles. Ça va, entre tout ça, tu gères quand même. Bah ça faisait 2 ans que j'avais pas touché une frappe. Venez pour jouer au Street City Park du Luxembourg, ils sont là, ils sont chauds. En plus, c'est grave les techniciens. Non. Quoi? T'as entendu le boom là? C'était le ballon mon pote. Ça c'était mon ballon. La panaball, t'as entendu le boom? Regarde, il y a un bus qui est passé sur la panaball. Oui. Oh, la panaball, elle s'est fait tuer. Je vous ai dit qu'ici, ils mangeaient les ballons. En exclusivité, aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la panaball. Même moi, je savais pas. Alors, il y a de la mousse. Donc, la mousse, c'est pour qu'elle rebondisse pas. Il y a la valve et tout, voilà. Si vous voulez voir l'intérieur de la panaball, ça ressemble à ça. Franchement, ici, je vous ai dit, ils mangent les ballons, ils ont faim. La youtubeur, je vais me récupérer une panaball directement sur le site urbanball.com parce qu'elle est back on stock à partir de maintenant. Donc, si vous voulez mettre des petits points à tout le monde, c'est ici que ça se passe. Mais du coup, comme dans tous les terrains de street, il y a quand même des ballons. On a récupéré un autre ballon et on a continué à jouer, mon gars. Let's go! I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, speaking new words, ici c'est moi ici. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're discreet now. Keep ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? Hey! I keep on moving forward. Dès qu'il revient en France, là, je me mets. Mets-lui, mets-lui, comme d'hab. Ici, ça joue dur, ici. C'est pas mal la GMK, magnifique. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10 people going off when I drop this. I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Ils veulent rien savoir, ils veulent me blesser. Eh, mais toi, c'est un truc de ouf. Quand tu joues, y'a pas de moitié. Lukaku, une phrase de Lukaku, il a dit: partout où tu joues, c'est comme une finale. Et cette phrase, elle est ancrée. Oh là là, les mecs, ça va, il a été inspiré. Mais ce qui est cool ici, c'est qu'il y a tout. Il y a musique, il y a trottinette, j'ai vu. Il y a ambiance, il y a même des mecs qui font des oui, mecs. Très, il est très, bon très, là, très le, très mec, bon. Le mec à lunettes là. Ouais. Il est pas mal. Fais-nous un petit truc là, Lucas là. Tiens, un petit geste là. Et là, je me suis aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh damn. Hey, ils sont bizarres ici. Tu t'attends pas. Qui a dit qu'à Paris qu'il n'y avait pas d'attaque? Tout le monde s'est dit la banlieue. Bah oui, à Paris ça joue hein. Ouais, je vois. Mais moi j'ai une question en fait. Ouais. T'es là, du coup tu t'entraînes tout le temps au pied. Mais comment tu fais pour t'entraîner à la main? Tu veux que je te montre un peu? Ouais, je veux bien. Comment t'es sûr, hein? Comment tu goals? C'est où que tu goals? Merde. Bon les gars, vous venez me mettre des frappes là? Bon, voilà, hey, c'est un truc de ouf, en fait, JMK il va plonger sur le bitume. Voilà, c'est là qu'il s'entraîne. Et donc tous ses potes ils vont lui mettre des frappes parce que moi je peux pas mettre de frappes, là je suis archi blessé. Donc on va voir ce que ça donne. Mais je suis curieux de voir s'il plonge sur le bitume, ça m'intéresse. Eh, au plus haut tu marques pas, alors là si tu marques.
think it's credit, but it's debit. Ooh. Hit that shorty once and I forget it. Big boss, you better recognize. Might go Rick Ross with the curly fries. Sippin' Hennessy, a dirty Sprite. Doing 180 down the time pie. She on her cell phone, I'm filling up a thigh. What you like? What you like? Look, I just like what you like. Came up out the dark with this chain, give me the light. Shorty giving head when she learned to read and write. Ooh, t'as pas voulu retomber sur le sol, hein? Non, celle-là, j'avais pas besoin. Oh, il a été la chercher. You think I owe you like a sentiment. Il va aller chercher, hein. T'étais pas prêt sur la reprise? Non, j'étais pas prêt, mais ce qui m'importe, c'est le premier tir. Quand moi j'ai connu JMK, c'était sur un terrain, il avait toujours un ballon dans les mains. Moi quand je le voyais jouer, c'était un attaquant pour moi. Au début, je jouais sur le terrain, tout ça, moi j'ai jamais vu jouer en tant que gardien. Bah, c'est un très bon gardien parce qu'on joue en club ensemble. Techniquement, pour un gardien, il est très très fort. Il est même plus technique que moi. Quand on est à la place ici, on rappe, on danse, on fait tout. Franchement, c'est un bon mec. Ouais, JMK, on s'est posé 30 secondes là. Les gens commencent à te connaître en tant que gardien freestyle. Ouais. Explique-nous un peu l'histoire parce que moi je la connais. Mais j'ai envie que les youtubeurs s'y connaissent un peu ton histoire sur le côté freestyle. Tout s'est passé bêtement à la fan zone. L'Euro 2016. Il y a le Portugal qui jouait. Je vois un monsieur avec une casquette en train de mettre des petits points à tout le monde. Voilà, je m'approche. Je connaissais déjà grâce aux vidéos. J'avance tranquillement avec mes amis, on regarde, voilà. Oh, le mec est busy! Le mec. Oh. Rihanna, oh là là. Dans une heure, viens me voir. Ah, ok, ben voilà. Rie ou nous. Donc, je m'approche tranquillement avec mes amis. Et là, il y a mon pote, il m'a poussé au milieu. Il y a tout le monde qui est là en train de me regarder. Je peux pas retourner en arrière, sinon ils vont dire. Allez. Donc, vas-y, je m'aventure. Là, il me fait des skills, il fait des skills. Bon, j'essaie de défendre comme je peux. Moi, quand j'ai la balle, je skill aussi. Ça a duré un peu quand même. 5 minutes, je pense. Ouais, ça a duré. Il me le met quand même. À la fin. Parce que tout le monde se moque, parce que je me suis pris un petit pont. À la fin, il dit, bon, il ne faut pas rigoler car c'est le mec qui a duré le plus longtemps. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Le lendemain, je suis revenu pour faire une autre vidéo. La vidéo, c'était de comparer tous les supporters les uns contre les autres. Et lui, en fait, il était avec des potes, ils étaient tous en Portugal. D'ailleurs, est-ce que t'es portugais? Sans portugais. Non, c'est un mytho, je viens de le découvrir. Sans ser portugais. Non, t'es pas portugais. Je suis ivoirien. Ok, ivoirien. Mais bon, il a une maille du Portugal, c'était une horde de portugais comme ça. Je dis, oh, vous êtes portugais, vous voulez en représenter Portugal? Ils disent oui. Ok. Challenge, mettez le plus d'ambiance. Ok, deuxième challenge, faites du freestyle. Et j'y passe la balle et il commence à faire du freestyle. Il fait les tours du monde, tac, il fait une pause, il fait un dab, boum, et il commence à danser. Et là, je dis, mais le mec, il est chaud. Hier, il est capable de tenir contre moi 5 minutes, archi technique. Aujourd'hui, il fait du freestyle, mais tu viens d'où, toi? J'ai posé des questions, donne-moi ton contact et tout. Et là, j'ai posé la question, mais tu fais quoi, tu joues au foot? Oui, mais c'est quelle position? Et là, il me dit, gardien de but. J'ai pas appris. Ouais, c'est du coup, ça. Je me suis dit quoi? Bah, la prochaine fois que j'ai un événement, on va l'appeler au gardien de but. Donc là, je t'avais appelé quoi? Au 10 ans des 3, je crois. Ouais, 10 ans des 3, avec les MC, tout ça. Hop, après, t'es venu au truc là, Impulse Star avec nous aussi. Puis t'es venu à différentes vidéos. Maintenant, il est sur, un peu avec la chaîne S3 aussi. Enfin voilà. En fait, là, maintenant, ça y est, t'es lancé en mode YouTube, freestyle, ouais, etc. Je fais à peu près tout. Là, on m'appelle JMK, le gardien le plus technique du monde. C'est un poste à assumer maintenant. Ouais, ça va, tu l'assumes bien. Ouais, ça va. Je vais faire une petite précision. On dit souvent freestyle, mais JMK, c'est pas vraiment un freestyler. Hein. Ouais. Il utilise des gestes freestyle dans son flow de gardien de but, mais par contre, il joue très bien au street football. Le street football, c'est tout ce qui est 1 contre 1, 3 contre 3, 5 contre 5. Ouais. Ça, par contre, il maîtrise. C'est un vrai joueur de street à part entière. Ok, après, pour devenir un freestyler, il va falloir quand même travailler. Ah oui, il y a beaucoup de travail. Mais je pense que t'as le moyen, si tu t'entraînes franchement 6 mois, 1 an au freestyle, tu peux faire un show avec nous, normal. Ok, normal. Ouh là là. Bon, okay. On va une balle là, je vais m'entraîner là. Bon voilà, YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as kiffé. Gros big up à JMK et ses gars, j'ai rendu du sambour. Franchement, mettez un maximum de pouces bleus. Ici, franchement, ça joue de malade au street football. Franchement, je suis archi impressionné, les gars. J'espère à vous. Vous jouez dans la street, vous faites les buts avec les poteaux. J'espère que la YouTubeurs, vous allez venir les défier ici. Donc, s'il y en a un qui vient et qui dit je suis de la YouTubeur, c'est qu'il vient de vous défier, il vient de chez moi. Ok, On va s'occuper. Occupez-vous de lui. Voilà. JMK, je mets toutes ces infos dans la description. Gardez le plus technique du monde. N'oubliez pas de commenter dans la vidéo quel autre endroit dans Paris, dans la région parisienne ou alors en France, je dois venir visiter parce que vous jouez au street comme des ouf. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le coach qui apparaît sur la tête de qui, JMK? La tête de lui, voilà. Le grand-père du quartier, c'est ça? Voilà. Cliquez sur la coach qui apparaît sur sa tête pour vous abonner à la chaîne. C'est bon, t'as cliqué. On se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye.